السماء ناديت يا ربي قال يا عبدي أنا الله في ربيع الكرم الله وأتى النصر من 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 الله يا له شهر عظيم وكريم كرم الله. السلام عليكم. Si on considère donc la relation d'amour avec Dieu, donc la spiritualité, et qu'on doit la concilier avec les règles, comment, en fait, ma question c'est comment faire pour augmenter cette réelle relation d'amour, étant donné que c'est un sentiment aussi et qu'on ne peut pas forcer le sentiment. Ce qu'il faut éviter dans tout ceci, c'est l'artificiel et faire semblant. Et dans ses mots et dans son attitude. Comment on fait pour appliquer les règles et approfondir notre sentiment de proximité? Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, déjà, ce qui nous est dit, c'est de commencer par les choses dans leur profondeur. Le prophète, A.S., quand il reçoit les premières révélations, elle lui parle de quoi? Elle ne lui parle pas de la règle. La règle va venir très vite. Mais avant, elle lui dit, cette révélation, observe tout ce que je t'ai donné. Observe tous mes dons. Et ça va être quoi? Quand la nuit couvre l'ensemble des choses, quand le jour se lève, par la lumière du jour, et quand par la nuit qui est calme. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est une conversion du regard. Et cette conversion du regard, c'est vraiment changer quelque chose qui est très très important à l'intérieur. C'est un peu comme quand quelqu'un vous donne quelque chose, quand il vous donne avec le cœur et que c'est un cadeau, vous avez une façon de le voir, c'était un objet. Quand vous le regardez avec le cœur, c'est un cadeau. C'est pas pareil. Il a la valeur que le cœur lui donne. Oui, pas la valeur de l'objet. Et ça veut dire que pour rentrer dans la dimension spirituelle, il faut vivre cette conversion du cœur. Et cette conversion du cœur, c'est de regarder la nature, c'est de regarder les gens autour de vous, c'est de changer de regard sur votre papa, sur votre maman, sur les gens que vous aimez. C'est déjà de regarder les choses, de revenir à son cœur et de savoir ce que Luqman a dit à son fils quand il dit « Anishkurillah », « Remercie Dieu ». Et le remerciement de Dieu, c'est vraiment avoir compris que tout ça, ce sont des cadeaux. Et quand on a cette vision, qu'on la nourrit, ça va avoir un impact aussi sur notre façon de prier. Et notre façon de prier va avoir un impact sur notre façon de voir les choses. Je vous donne un exemple, quand vous vous levez le matin pour le fajr, que vous priez, que vous vous levez, que vous vous extrayez du rapport au sommeil et que vous faites votre prière, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Alors, quand vous êtes uniquement en train de lutter contre le sommeil, c'est dur. Mais quand vous êtes dans un rapport avec un rendez-vous avec Dieu et que c'est dans une atmosphère spirituelle, même quand vous jeûnez, ça change toutes les choses. Le prophète, Allah SWT lit dans le Coran que la prière, elle est lourde seulement pour ceux qui ne craignent pas, qui ne sont pas dans cette crainte révérentielle, pas dans cet amour révérentiel, beaucoup plus que ce crainte. Et le khushu', c'est l'amour révérentiel. C'est cet amour où on est plein de révérence pour Dieu. Et ça se travaille dans son quotidien, par changer son regard sur les choses. Quand on voit quelqu'un, c'est pas regarder le jugement et la faute, mais regarder le don. Avant de savoir ce qu'une personne vous pose comme problème, posez-vous la question de savoir ce qu'elle vous apporte comme qualité ou comme contribution. C'est une vraie conversion du regard, la foi. Et donc ça, avec ceci, vous commencez à avoir accès à plus d'amour, plus de reconnaissance. Et votre prière change, et votre jeûne change. Et c'est un cheminement. C'est ce que disent tous les mystiques, c'est un cheminement. Raison pour laquelle vous allez voir que dans toutes les traditions mystiques, on a des étapes, des stations. Vous savez, vous connaissez le hadith qui dit « Quand vous venez à Dieu en marchant, il vient à vous en courant. »
En fait, il nous est dit, venez, venez. Et lui, il vient. Et plus vous venez, plus il vient. Et à un moment donné, c'est plus vous qui avancez, c'est lui qui vous tire. Mais c'est vrai, ça, c'est des expériences qui sont réelles. À un moment donné, on a avancé dans la difficulté, et à un moment donné, il nous facilite quelque chose. À des moments donnés, il nous fait une expérience en une nuit, en un jour, de quelqu'un qu'on rencontre, d'un visage qu'on croise, d'une situation de la vie, d'une prière que l'on fait, elle a changé la qualité des choses. Elle a changé la qualité des choses. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, j'étais à proximité, j'allais en direction de la Kaaba, j'étais encore loin, j'y étais pas, et j'allais me coucher, et la façon dont j'allais me coucher, c'est que j'allais être dos à la Kaaba, et je ne sais pas ce qui est arrivé, j'ai senti comme quelque chose qui m'appuyait sur l'épaule pour me dire, tu te trompes, et je me suis retourné et je me suis senti apaisé. Ce moment-là a été déterminant dans la vie. Vous savez, c'est pas grand chose. Il y a des gens, tu sais même pas, moi je viens donner des conférences à des moments donnés, Allah subhanahu wa ta'ala me fait dire une chose que je savais pas que j'allais dire à la personne qui allait l'entendre, et cette personne qui allait l'entendre ou qui l'a entendu, c'est ce qu'il fallait qu'elle entende là où elle était, au moment où elle est venue. Et ça change tout. Voilà, ça c'est des choses qu'on calcule, c'est pas 1 plus 1. C'est et l'amour, et le regard, et la présence. Donc ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'il faut être ouvert à ça. Vous voyez, cette espèce d'ouverture du cœur où on est réceptif. Vous regardez les choses et vous voyez des signes. Il y en a, chaque fois qu'il leur arrive quelque chose, il leur est juste arrivé quelque chose. Et il y en a d'autres, ils voient des signes, ils comprennent les signes. Il y a des choses qui arrivent dans leur vie, c'est pas par hasard. Il y a des gens que vous rencontrez dans votre vie, c'est pas par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard. Mais simplement, on continue en langue française. Moi, j'ai peur, moi, des moments donnés. Vous savez, il y a des choses, il faut s'habituer à ne pas les dire. La façon dont vous parlez dit des choses qui traduisent des choses, des réflexes intellectuels. Mais évitez de dire par hasard. Évitez de dire, parce qu'il n'y a pas de hasard. Ou si vous dites par hasard, dites apparemment, par hasard. Apparemment. Le apparemment fait toute la différence. Vous êtes en train de vous envoyer à vous-même un message. Non, il n'y a pas de hasard. Apparemment, par hasard. Mais quand vous parlez des gens que vous aimez, ou des choses que vous aimez, ou du chocolat que vous aimez, vous évitez de dire j'adore. Mais les gens prennent ça pour des détails. Mais ce n'est pas des détails. Le vocabulaire façonne des rapports aux choses. Et quand vous évitez de dire un mot, le fait que vous l'évitiez, ce n'est pas le prêtre de le dire qui est un problème. Ce n'est pas du coffre. Quand quelqu'un va dire d'un genre dire coffre, arrozoubillah, l'enfer et tout ça. Non, c'est le fait que vous habituez votre esprit à limiter certains mots à des situations tout à fait spécifiques. Un homme ou une femme, quand vous l'aimez, évitez de dire « je t'adore ». Déjà, « je t'aime », c'est énorme. Mon problème, en fait, c'est que dans la vie d'une même personne, souvent, en fait, ça s'alterne. Il y a des moments où, justement, tout ce que vous dites, la foi... Enfin, les moments où on voit les signes, c'est fort. Enfin, la religion, la religion devient vraiment quelque chose d'important pour nous et on le sent vraiment. On sent l'amour de Dieu, enfin, et tout ce qu'on peut décrire. Et il y a d'autres moments et c'est, enfin, pour moi, c'est sur la vie d'une même personne. Et il y a d'autres moments où vraiment, enfin, on prie par devoir, on se limite vraiment à tout ce qui est obligatoire et Ça, c'est une excellente question. C'est une excellente question, et là, il faut qu'on soit extrêmement clair. Selon la tradition, et on le sait, il imanu yazidu yayankros, wa yuthabbituhu l'amal. La foi augmente et diminue, et ce qui va la confirmer, c'est l'action. Et là, on est exactement à l'axe de tout ce dont je parle aujourd'hui. Chacun d'entre nous ici, à des moments donnés, masha'Allah, on est très très proche des anges. Et parfois, wa li'a'uzubillah, très très proche des diables. Les mêmes ici, ceux qui sont là dans cette salle, et quand on les regarde le visage, on se dit, mashallah, celui-là, il a l'air d'être pur. Et tu ne sais pas ce qu'il a fait hier soir. Et tu ne sais pas où va finir ce soir. C'est vrai ça. Mais c'est comme ça pour tout le monde. Pour tout le monde. Maintenant, par rapport à ça, on peut se dire... Puisque pour tout le monde c'est pareil, eh ben allons-y avec tout le monde. Et on finit dans des soirées, et c'est marrant d'ailleurs, parce qu'il y a des jeunes qui sont dans la même tension, ils se retrouvent dans des soirées,
puis le fait qu'il y en ait d'autres, ça les justifie eux d'être là-bas aussi. Puisqu'on est tous pareils, yallah. Hein? Et puis peut-être... peut-être Ramadan va revenir, on sera très pieux et tout ceci. Mais là, ce qu'il faut, c'est comprendre le vrai sens de Tazkiya et du djihad. C'est là qu'il est extrêmement important. Quand parfois notre cœur affaiblit, quand notre conscience s'amenuise, c'est là qu'il faut s'en tenir aux règles. Les règles sont nos protections. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, quand le prophète a dit « Buni al-Islam », c'est-à-dire la maison de l'islam, ta maison, c'est ces cinq piliers. Si maintenant tu n'as pas ces piliers, puis que tu penses que tu vas tenir ton cœur sans le pilier, tu n'auras pas de demeure. Parce que la demeure, c'est ce qui te protège. Donc qu'est-ce qui va nous aider ? Un, les piliers. Quand il est dit dans le Coran, « Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayhim wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma » quand il dit dans le Coran que parmi ces signes, il a créé de vous tirer de vous des époux et des épouses, c'est-à-dire l'autre, pour que vous puissiez trouver la paix. « Taskunu » c'est « sakan », c'est encore la demeure. Et ce qu'il est dit dans la relation de couple, c'est « hunna libasun lakum wa antum libasun » parfois, ça sera les règles. Et parfois, c'est le mari ou la femme. Et quand on n'a pas de mari ou pas de femme, ça peut être la famille. Attention à ceux qui sont vos compagnons de route. Parce qu'il faut des règles, mais il faut des compagnons. Toi, tu vas baisser un peu, mais à côté d'un compagnon, tu n'as pas le compagnon de la soirée du samedi. Tu as le compagnon de la prière du vendredi. Tu as le compagnon de la prière du Asr. Lui, il va t'aider ou elle va t'aider à faire en sorte que ta connaissance, il faut s'en tenir aux règles et il faut avoir les compagnons qui nous rappellent les règles. Et ça, c'est aussi important, des gens qui nous tirent vers le bien. Donc, c'est vrai le proverbe, je l'ai souvent répété, « Montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es ». Mais on ne peut pas, à un moment donné, être entouré par des gens qui sont filrafla, c'est-à-dire ils oublient le sens, et espérer que ce soit eux qui nous rappellent. Oui ? Comme certains, ils ont envie d'aller dans des soirées et dire « Oui, je sais, la soirée, elle n'est pas très halal, mais je vais faire de la da'wa. » Ben, reste chez toi. Tu vas faire la da'wa là où c'est pas possible. Donc, de ce point de vue, il faut faire très très attention. Un, ça arrive, tout ce que tu dis. Deux, il faut s'en tenir aux règles. Trois, les compagnons de route. Et puis, toujours faire une chose, autant que possible, la proximité de la lecture du Coran. Parce que la lecture du Coran, c'est le dialogue avec Dieu. Quand vous lisez le Coran, vous lui parlez et il vous parle. Vous lui parlez en venant à lui, et c'est une da'wa, c'est-à-dire vous l'appelez, et astajib lakum, c'est une réponse. Vous savez, quand il dit udrouni astajib lakum, c'est pas simplement ça, c'est prendre le Coran, vous prenez le Coran, je l'appelle, et il répond. Parfois, vous lisez le Coran, moi, ça m'arrive souvent de faire des choses comme ça, hein. Juste avant de sortir de la maison, je prends le Coran, je l'ouvre et je lis souvent les premiers versets sur la gauche, sur la page de droite, en haut à droite. Par hasard, apparemment. Et je lis. Et des fois, je vous promets que ce sont des protections, il y a quelque chose. Parce que vous allez vous être attaché à un sens et ça peut vous aider. Alors, à ce moment-là, il vous parle là où vous... Je suis allé le chercher. Je lui ai posé une question, j'ai ouvert la page. Mon ouverture de la page, par hasard, apparemment, lui a donné une réponse qui n'était pas ni du hasard, ni apparente. Elle est une vraie réponse. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc la proximité avec le Coran, et l'autre chose, c'est la proximité avec la vie du prophète, Rasulallah. Mais ce que tu vis, là, c'est une réalité. Si tu n'avais que les règles, tu vivrais ceci dans le malaise. Il faut avoir les règles et le sens. Un, les règles. Deux, les gens qui t'entourent, le dialogue avec Dieu par le Coran et le modèle prophétique, Inch'Allah, dans la vie quotidienne. Mais je voudrais m'attacher aux éléments intérieurs, la méditation, la spiritualité. Et ce que j'explique dans mon petit laïus, c'est qu'on en parle beaucoup, notamment au Bourget, mais qu'est-ce qui se cache derrière ces concepts ? Comment faire une vraie spiritualité ? Et je terminerai sur votre conclusion de l'an dernier sur une conférence où vous nous appeliez à nous poser les questions et en insistant les bonnes questions. Alors j'ai passé un an à réfléchir et j'ai besoin d'un petit peu de... Enfin, d'une petite étincelle. Voilà. Barakallahu fik. Merci. Donc on...
une année plus tard, c'était pour dire la conférence de l'année dernière, moyen. D'accord. Message reçu. Non, je plaisante. Je plaisante. J'espérais que le propos d'aujourd'hui puisse être quand même plus clarifiant par rapport à ces bonnes questions, parce qu'il me semble que j'ai mis en évidence un certain nombre d'entre elles. Maintenant, quand on parle de spiritualité, et faites très attention dans les catégories aujourd'hui du discours en Occident, on oppose souvent spiritualité et religion. La religion étant l'univers des règles et des rituels, la spiritualité, l'univers de l'élévation du cœur et de la proximité avec Dieu. Or, dans la tradition musulmane, il n'y a pas de religion sans spiritualité et pas de spiritualité sans religion. Ça, c'est ce que dit l'islam. Il n'y a pas de spiritualité sans religion. C'est que nous avons besoin des règles pour pouvoir bien comprendre le sens de ce qui est notre relation à Dieu. Par spiritualité, j'entends. Et c'est pour ça que c'est important ce qu'on va dire tout à l'heure à cette heure. Par spiritualité, j'entends le souvenir du divin, le souvenir de Dieu comme objectif, comme aspiration dans toutes les actions de la vie et dans toutes les dimensions de la vie. C'est-à-dire le souvenir de Dieu, c'est-à-dire que on donne sens à ce que l'on fait. C'est Dhikr, qui est d'ailleurs le troisième nom du Coran. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que quand on s'engage, quand on vit, on va déjà, par rapport à soi-même, essayer d'établir une connaissance de soi. Et cette connaissance de soi, qu'est-ce que c'est ? C'est de se dire, quelles sont les difficultés que je peux avoir avec moi-même ? Alors Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu m'a donné mille et une qualités. Mais il y a un des éléments qui peut être problématique, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, c'est-à-dire l'égocentrisme, c'est-à-dire que je deviens plus important que beaucoup d'autres choses dans ma générosité, dans le don. Quand on comprend ceci dans la vie quotidienne, ça va être très simple. Se souvenir de Dieu par rapport à son ego, c'est travailler à plus de générosité, à plus de dons. Et le don, c'est de comprendre ce qu'il y a dans le Coran au moment où il est dit « وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ » Les juristes, quand ils ont entendu ce verset, ils donnent de ce qu'on leur a donné, ils ont compris, ils donnent la zakat de ce qu'on leur a donné. Aux normes spirituelles, ce n'est pas ça. Dieu, il vous a donné un cœur, il vous a donné du temps, et vous donnez de votre cœur et vous donnez de votre temps. Qu'est-ce que ça s'appelle, comment ça ? Ça, c'est un acte spirituel qui est un travail sur votre cœur qui pourrait devenir égoïste et à qui vous enseignez la générosité. Dans la vie quotidienne, par la force des choses, vous êtes amené à avoir des occupations qui vous prennent du temps et qui font que, par la force des choses, encore une fois, vous oubliez Dieu ou vous n'êtes pas toujours en contact avec lui. La spiritualité, quant au rituel, qu'est-ce que c'est ? C'est de prendre du temps pour faire une prière qui soit profonde. Pas simplement une prière qui soit rituelle, c'est-à-dire prier avec le corps, c'est prier avec le cœur. Et donc ça veut dire qu'on fait des efforts. C'est comment ça ? Vous rentrez à la maison, vous allez faire la prière, vous faites les ablutions, et vous regardez l'élément de l'eau. Non pas comme de l'eau seulement. Il est dit dans le hadith du prophète sallam que l'eau que vous prenez pour les ablutions va prendre l'espace de la prière, tous les mots, M-A-U-X, de vos mains, de votre visage, de vos yeux, de votre bouche, et vous êtes dans un état de purification. Ça donne du sens aux ablutions. Et vous allez faire la prière, mais comment vous allez la faire ? Non pas en laissant la télévision allumée dans le salon, non pas en la mettant là où les gens passent. Vous trouvez un endroit où vous vous isolez, où vous vous préparez, où vous vous concentrez, et vous faites une prière dans laquelle vous concentrez votre attention. Comment est-ce qu'on doit faire aussi ? Parfois on dit les mots en arabe, on ne les connaît pas en français. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On prend le Coran avec la traduction, et ce que l'on sait en arabe, on le lit en français. Pourquoi ? Parce que quand on va le dire en arabe tout à l'heure, eh bien on sait ce que l'on dit. Et plus on sait ce que l'on dit, plus la concentration est présente. Plus les mots n'ont que la sonorité
de la psalmodie, moins on est concentré sur le sens. Mais quand on comprend le sens, ça nous prend beaucoup plus. Ça nous prend, et donc c'est pour ça qu'il faut faire. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est de la spiritualité avec Dieu. Qu'est-ce que vous, vous donnez le temps de comprendre ce que vous lui dites? Vous comprenez, vous prenez, vous donnez le temps d'être capable de recevoir ce qu'il vous donne. Dans un travail de purification et de prière, vous arrêtez de dormir, vous vous levez le matin et vous êtes dans un rapport de « j'ai lutté contre mon être qui veut dormir pour venir à l'être qui me donne la vie ». Oui ? Les mains yuhikum, celui qui vous donne la vie. Donc ça, ce sont des attitudes, vous voyez, c'est pas des grandes philosophies, avec Dieu, avec soi-même. Et la spiritualité, qu'est-ce que c'est? Vous sortez de chez vous et il vous est dit, il n'est pas croyant, au sens il n'a pas complété sa foi. Celui qui ne veut pas pour son frère et sa sœur ce qu'il veut pour lui-même. Et qu'est-ce que vous voulez pour vous-même? Des sourires, qu'on vous tienne la porte, qu'on soit gracieux, qu'on soit généreux. Ben voilà la spiritualité de point de vue appliqué. Ça, c'est de la spiritualité au quotidien. Et quand vous avez un voisin, eh bien, vous... faites attention, hier on avait quelqu'un, c'était pas ici, il y avait un colloque à côté de l'aéroport auquel j'ai participé hier matin, il y a quelqu'un qui a vécu pendant 25 ans aux États-Unis, un Égyptien qui maintenant s'occupe de secours islamique au niveau mondial, et il disait nous on était en États-Unis, on vivait entre nous comme ça, et puis on voulait pas de problème, on n'embêtait pas les voisins nous embêtaient pas, on voyait bien qu'ils aimaient pas l'islam, on se disait ils aiment pas l'islam, ils nous connaissent, c'est parce qu'ils nous connaissent pas, puis voilà, c'est tout. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un acte, ben, il y a, c'était après le 11 septembre aux États-Unis, et à un moment donné, il y a toute une campagne comme ceci, il y a quelqu'un qui frappe à sa porte, et il ouvre et c'est le voisin. Et les voisins, la famille, le mari et la femme, les voisins, ils viennent et disent, on ne s'est pas beaucoup parlé, mais on voulait juste vous dire qu'on voulait vous transmettre notre sympathie parce que ça ne doit pas être facile pour vous maintenant. Et le type, il est devant la porte, il dit, j'étais... En français, on dirait « j'étais scotché », « j'étais interdit » en langage un peu relevé. Interdit, je dis. Mais regardez ces gens qui viennent, eux, me dire à moi ce qu'en fait, moi, j'aurais dû faire depuis 25 ans, c'est aller frapper à leur porte et leur montrer qui on est dans la spiritualité au sens pratique, dans la générosité, de faire attention à son voisin. Quand vous entendez qu'il n'est pas croyant, qu'il n'a pas accompli la foi entière, celui qui dort sur ses deux oreilles quand son voisin a faim. Mais ça, c'est la spiritualité la plus profonde. Ça veut dire, ta foi n'est pas complète si tu peux être négligent par rapport à la faim du voisin. Bien, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de cette spiritualité dont je parle. C'est pas une spiritualité éthérée, je prie toute la nuit et je dors le jour, ou je suis invisible le jour. Non, c'est je prie la nuit, je travaille sur mon cœur, je travaille dans mon être pour avoir un comportement qui va traduire toutes ces dimensions-là. J'entends par spiritualité le souvenir du divin dans l'agir humain, dans toutes les dimensions possibles, dans toutes les dimensions possibles. Et parfois, c'est des détails. Vous savez, beaucoup de gens ne comprennent plus en Occident qu'à des moments donnés, sur des petits détails, il nous est dit, par exemple, à nous, vous mangez avec la main droite. Vous rentrez dans la mosquée avec la main droite, avec la jambe droite, et vous sortez avec la jambe gauche. Alors, il y en a certains qui sont obsédés par la règle et ils vont être obsédés par rapport à ça. Et il y en a qui ne voient que ça. J'ai expliqué un jour qu'il y avait un jeûne en Égypte pendant que j'étais là-bas. On faisait la prière et vous savez, il est dit dans la prière que la bonne prière, c'est celle où vous touchez par sept endroits le sol. Les deux mains, le nez, le front, les deux genoux et les pieds. Et il fait la prière à côté de moi et on finit la prière et il vient vers moi à la fin et il me dit « La prière, quand tu fais la prière, il faut que ton nez touche le sol. » Donc il est très strict sur la règle. La règle c'est ça, ta prière elle est moyen quoi. Et je le regarde, je souris, je lui dis, mais toi, comment t'as fait pour voir que mon nez il touchait pas le sol? C'est-à-dire, tu t'es tourné, t'as regardé de côté? T'as prié où? T'as prié avec qui? C'est-à-dire que mon nez qui touchait pas le sol était plus grave que ta distraction pour vouloir me juger? Je suis pas sûr. Vous comprenez ce que je veux dire qu'à partir d'un certain moment, il faut que l'on soit dans cette dimension où les règles sont importantes, mais que la dimension du cœur, du souvenir,
même dans notre prière, elle soit là, même dans notre façon d'être avec les gens, même dans notre façon d'être avec les personnes qui ne sont pas notre foi. Et ça, ça vient d'une compréhension de la charia qui n'est pas simplement un corps de règles, mais un chemin spirituel, un chemin qui lie le sens et la règle. Et la spiritualité, c'est le sens en action. Donc, pas de grands mots qui nous disent rien, je suis un être spirituel, mon cœur parle. Non, très pratiquement. Et ne rendons pas compliquées les choses. Je vais vous dire une chose, il y a des gens, quand ils vous donnent la main, vous sentez leur cœur, et il y a des gens, quand ils vous donnent la main, vous sentez juste leur main. Oui, vous voyez, vous sentez juste le formalisme. Il y a des gens, quand ils vous disent merci, c'est merci. Et il y en a, quand ils vous disent merci, c'est merci et beaucoup plus que ça. Allah, 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 ma lana maulan siwa Allah.